je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo juste pour vous souhaiter une très très belle année 2015. Mais avant de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, je voulais faire une petite rétrospective en fait sur mon année 2014 puisqu'elle a été très riche en changements dans ma vie. Il y a d'abord eu cette décision de passer mon concours d'entrée en école d'aide-soignante. Cette décision était payante puisque j'ai obtenu mon concours. On m'avait dit inscris-toi dans plusieurs écoles pour pouvoir avoir plus de chances, il y a très peu de chances que tu l'aies du premier coup, etc. Et au final j'ai eu mon concours du premier coup et je suis rentrée en formation au mois de septembre. Et depuis c'est que du bonheur, cette formation est hyper enrichissante, très intéressante, très fatigante aussi. Mais voilà, tout le bonheur qui est à côté, ça enlève toute cette fatigue. J'ai fait des rencontres à l'école absolument géniales. J'ai des copines en or que j'embrasse, même si je pense pas qu'elles passeront par là. Voilà. J'ai ensuite pris la décision de me faire opérer de l'estomac. Ça a été très très rapide puisque j'ai pris ma décision fin février. J'ai eu rendez-vous, mon premier rendez-vous avec le chirurgien le 5 mars et que je me suis fait opérer le 1er juillet. Voilà. Je m'attendais à des démarches très longues, à plus d'un an d'attente, etc. Et au final, ça a été très très vite. Je ne regrette absolument pas cette opération. Si c'était à refaire, je le referais. Mais de toute façon, vous avez un vlog qui arrivera très vite après cette vidéo au sujet de l'opération avec un bilan sur mon poids, etc. et comment je me sens. Donc voilà. Et puis voilà, il y a eu cette entrée en formation. Et ensuite, pour conclure cette magnifique année, il y a eu une demande en mariage de la part de mon chéri. Donc non, le mariage n'aura pas lieu en 2015, on ne pourrait pas suivre cette année les préparatifs puisque en 2015 je dois passer mon diplôme et penser avant tout à ça. Donc nous avons décidé de normalement faire ça pour 2016. Donc à ce moment-là, peut-être que vous me suivrez dans les préparatifs, je l'espère. Ça voudra dire que je suis toujours sur YouTube et que vous êtes toujours là surtout. Donc voilà, donc pour moi 2014 a été une très belle année, maintenant je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Je sais que certaines d'entre vous ont perdu des proches et j'en suis absolument désolée. Je sais que pour certaines, la santé n'a pas été là non plus. Voilà, je pense à une fée en particulier, à qui, malgré le fait que je ne mette pas beaucoup de commentaires, je pense quand même. Et voilà. J'espère que l'année 2015 ne sera que meilleure. Je vous souhaite vraiment que tous vos projets se réalisent. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de santé parce que pour moi c'est vraiment les choses les plus importantes. Sans amour et sans santé on ne peut pas faire grand chose. Et je crois même, maintenant que j'ai choisi le métier d'aide-soignante et que j'ai eu un petit peu d'expérience durant mes stages, je pense que même l'amour est au-dessus de la santé. Parce qu'on peut ne pas avoir la santé. Mais si vos proches sont là pour vous soutenir, si vos proches sont là pour vous tenir la main, pour vous montrer qu'ils vous aiment, je pense que c'est la plus belle chose, donc je vous souhaite beaucoup d'amour. C'est le principal, je pense. Donc voilà, cette vidéo a été très courte, mais je voulais absolument vous souhaiter tous mes vœux. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.